Vendredi 16 juin, Paul Pogba a accordé un entretien au magazine Viz. Le joueur de l'équipe de France de football et de la Juventus est revenu avec émotion sur les derniers mois difficiles qu'il vient de traverser, aussi bien sur le plan sportif que personnel. Une année en enfer. Si est-ce qu'il peut dire que Paul Pogba vient de traverser la période la plus difficile de sa carrière, peut-être même de sa vie. Il faut dire que le destin a semblé s'acharner sur la star du football français, qui a enchaîné affaires extra-sportives, blessures, désillusions et polémiques. Au niveau sportif, l'euphorie du titre de champion du monde 2018 est vite retombée, son transfert de Manchester United à la Juventus Turin a tourné au fiasco en raison de blessures à répétition, ce qui lui a valu de se mettre les supporters italiens à dos et surtout de manquer la dernière Coupe du Monde. À cela s'est ajoutée une énorme polémique, liée à son frère Mathias Pogba qu'il a accusé d'avoir fait appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Son entourage a été complètement remis en question, au point que les enquêteurs se sont demandé s'il ne faisait pas l'objet d'une véritable cabale. J'ai mûri et j'ai appris beaucoup de choses sur la vie le hors terrain, c'était déjà difficile pour moi de gérer ce qui s'était passé, surtout mentalement. J'essayais de me réfugier dans ce que j'aime faire, le foot, confiait-il avec émotion dans une vidéo Instagram le mois dernier. Dans un entretien fleuve accordé au site Views ce vendredi, Paul Pogba est revenu plus en détail sur sa santé mentale, très touché par les événements. Mais il assure en sortir plus grand, ça m'a fait énormément grandir. Ces derniers mois-là m'ont fait énormément grandir, ils m'ont fait comprendre beaucoup de choses sur la vie. J'ai pris 10 ans, rire. J'ai pris 10 ans en 7 mois. Et comme je l'ai dit, ça ne peut être que du plus pour moi, parce que je le prends positivement. Moi, je suis un croyant donc ce sont des étapes et des tests. Des tests qui m'ont fait grandir, où j'ai mûri et j'ai appris beaucoup de choses sur la vie. J'ai appris ce qu'étaient les choses importantes. Donc, je l'ai pris vraiment positivement et ça a été un boost pour moi. Et là, aujourd'hui, franchement, tout ça, c'est derrière moi. Ça m'a vraiment forgé, explique-t-il, rappelant à quel point la religion l'a aidé à sortir de cette mauvaise passe. Reste à savoir si la pioche a retrouvé le mental et la forme pour dominer à nouveau les terrains de football. Et enfin retrouver les bleus ?